Comparons 1969-1983. Dans les deux cas, il y a des projets de réforme, transformation, qui ont avorté. En 69, référendum lancé par De Gaulle, la réforme des institutions, la réforme du Sénat, ne rencontre pas une acceptation suffisante, ce qui conduit De Gaulle à démissionner d'ailleurs. Et 14 ans plus tard, et 14 ans c'est un demi-cycle saturnien, enfin, pour moi c'est un cycle de 15 ans saturnien, eh bien on a en 83 le revirement de Mitterrand, le passage de Mauroy à Fabius, et donc quelque chose, il y a un renoncement qui se fait. Et ça, il faut bien le dire clairement, l'astrologie nous parle des réformes. Elle ne nous parle pas des échecs de ces réformes. Elle ne nous parle pas des réactions contre ces réformes. Mais l'astrologue doit évidemment, quand il annonce quelque chose, dire ce qui pourrait se passer si ces choses-là se produisent. Il faut qu'il parle également des actions et des réactions, ça va de soi. Mais les actions relèvent directement du plan divin, si on peut dire, et les réactions, c'est plutôt le plan humain qui ne suit pas. Hein? C'est pas tout à fait la même chose.